Bizarre, hein? Ah, les amis. Donc finalement, Ellie est au courant de ce que Ida? Joël Jesse? s'efforce à cacher. Ah. Faites la guerre, pas l'amour. Tiens, regarde Joël. C'est ton préféré. Alors là, je ne sais pas dans quel piège je suis, mais les amis, énorme retournement de situation quand même, hein. Pendant toute Dina? l'aventure, Jesse? j'ai pensé que bah qu'ils étaient pas au courant Ils sont où tous les deux? que Joël avait réussi à cacher la vérité à... Non, je vais pas vous jouer un air de guitare, les amis, mais je pensais que Joël avait réussi à cacher la vérité à Ellie et finalement. Elle a réussi à découvrir que bah, qu'elle était la seule immunisée. Mais par contre, il y a un gros paramètre qui change la donne. Le paramètre qui change la donne, c'est qu'en fait, même si elle voulait, il a tué la seule personne qui était capable de créer le vaccin. Elle a eu une sale nuit. Même l'eau ne passait pas. T'aurais dû me réveiller. Elle est enceinte. Je comprends pourquoi t'es ici. Mais il faut qu'on la ramène. Elle a besoin de soins et elle sera pas capable. Oui, je sais. Je sais. Mais je peux pas abandonner Tommy. Il est ici à cause de moi. Tu pourrais peut-être la ramener. Elle partira jamais sans toi. On tape. On va chercher Tommy. L'aquarium, dont cette fille t'a parlé. On n'aura qu'à attendre là-bas. Jusqu'à ce que Tommy trouve Abby. Et ça te gêne pas de laisser Dina toute seule? Ce sont ses ordres. Ok. On va lui dire qu'on part alors. Je te rejoins devant. Ouais. Salut. Salut toi. Tu viens de fermer la porte. Ok. En route. D'après ta carte, l'aquarium est sur la côte. Ça devrait être par là. Ouais. Comment on fait pour rester au sec dans cette ville? Tiens, viens m'aider. Ok, vas-y. Ok.
Merci. Qu'est-ce que t'as dit à Dina ? On espérait trouver Tommy à l'aquarium. Je lui ai pas dit que tu savais. Si c'est ça que... Non. L'aquarium, c'est une base Wolf ? Non, je crois pas. Nora a dit qu'Abby se cachait là-bas. Elle t'a dit pourquoi ils avaient fait ça ? Ouais. Joël s'est brouillé avec des lucioles. D'anciennes lucioles, maintenant. Ah ouais ? À cause de quoi ? Ils faisaient du trafic avec eux. Et ils se sont engueulés à cause de... la marchandise. Une bagarre a éclaté, il y a eu des morts. Je suppose qu'ils ont voulu se venger. Merde. Ça change quelque chose pour toi ? Non. Au fait, j'aimerais bien mettre une chose au clair. Quand on aura trouvé Tommy, tu seras d'accord pour rentrer ? Ouais. Et tu laisseras quelques-uns de ces enfoirés en vie ? Il faut que Dina rentre à Jackson. Ok. On est d'accord. Moi, les amis, je pense que vous l'avez compris, hein. En fait, ces gens ont suivi Joël jusqu'ici parce qu'il a laissé s'est opposé à l'opération de parce qu'il s'est opposé à l'opération de d'Ellie qui allait lui coûter la vie. Et ben, en fait, ces personnes-là lui en veulent justement de d'avoir causé la mort indirectement de plusieurs de leurs camarades, vu que bah, à cause du fait qu'Ellie soit encore en vie, ils n'ont pas pu créer un vaccin et donc changer le monde. Est-ce que c'est légitime? Là encore est la question. C'est vraiment ça la complexité du jeu, les amis, hein. C'est ce qui est vraiment intéressant avec The Last of Us, c'est que c'est difficile de dire oui ça c'est le bien, ça c'est le mal, il a raison de faire ça, non il n'a pas raison. Je pense que ça doit donner encore plus de raisons à Ellie de vouloir. Ah. Plus de raisons à Ellie de. Ouais. De vouloir venger Joël parce qu'en quelque sorte c'est un peu. Parce qu'il a voulu que elle est vive. Qu'il est mort, quoi. Et surtout les conditions dans le. Dans la merde à Jackson après ça. Hein? Comment ça? Ah bah, on aura buté pas mal d'entre eux. Et dans leur ville. Oui, mais c'est de leur faute. Mais Abby et ses potes sont pas venus à Jackson à cause d'un truc qu'a fait Joël? Mais ici, c'est pas comme Jackson. Joël et Tommy ont aidé Abby quand elle s'est fait attaquer. Eux, ils essaient de buter tout le monde autour d'eux. T'as bien vu, ils t'ont tiré dessus sans hésiter. Ouais. C'est vrai. Hop, on va améliorer les capacités. Vitesse de déplacement à terre. La portée du monde écoute. Hop, voilà. Ça fait combien de temps que Dina est malade à ce point ? Quelques jours seulement. Tu l'aurais vu quand on est arrivé ici. Elle a défoncé un paquet de Wolf. On serait resté sur le cul. Ça m'étonne pas. Faut pas la
Continue l'exploration, les amis. Toujours à la recherche d'un maximum de matos, un maximum de munitions. Ah, je vais pouvoir améliorer mes armes. 57. Qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer? Oh bah on va améliorer lançabilité, rechargement. Je crois que je vais améliorer la cadence de tir. C'est tout ce qui manque à mon arme, je crois. Ah, c'est déjà amélioré ça. On va augmenter la capacité, les amis. Comme ça, on pourra avoir beaucoup plus de munitions. On sait jamais. Pour l'instant, je m'en sors plutôt bien avec les munitions que j'ai, mais ce serait plus intéressant de d'avoir beaucoup plus de place dans ma chargeur. Ouais, désolé. Je me demande comment cette histoire va se terminer, vu que d'un côté on a... En vrai, ça peut que se terminer d'une seule manière. Soit ils arrivent à tuer Abby et tout rentre dans l'ordre, soit ils arrivent pas à la tuer et on va voir si le scénario nous réserve encore plus de surprises. Donc ici. Ah, il va falloir déplacer ça. Est-ce qu'il y a des objets? J'arrive. Ok. Par ici. Dis-moi juste. Pourquoi elle m'a rien dit? Pour le bébé. Écoute. Je suis sûr qu'elle t'en parlera. Qui t'a dit ça? Le chef en fait. Je suis pas sûr que la voie est libre. On attend le reste des unités. Et on l'entend. Mais la dernière fois. Ce sera pas comme la dernière fois. On a plus. Choix de toute façon. On se doit ce qui va changer si on réussit. Ça commence pas là. Je vais l'empêcher de partir. Bon. Je
Oula. Ah oui. Ils sont en guerre contre ces fanatiques à la con. Je les ai entendus en parler. Des séraphines, un truc comme ça, séraphites. Moi, je les ai entendus les appeler Scar. T'en as croisé ? Non. T'as de la chance. Non, franchement, quand tu les croises, tu ne donnes pas cher de ta peau. Donc, ouais, je peux dire que... qu'il a eu de la chance de ne pas les croiser. Ce sont des malades. Bon, j'ai utilisé pas mal de munitions quand même. Là, je suis assez dégoûté. Hein. En général, je m'en sors sans vraiment utiliser mes munitions. Ça c'est pas cool. On va voir s'ils avaient des munitions sur eux. Donc plein. Yes. Ok. Dans cette pièce, si on trouve des objets, ça a l'air vide ici. Ok. Oula. Voilà. Voilà, ça me semble beaucoup mieux. On a éliminé tous les ennemis qu'il y avait, donc c'est beaucoup plus calme. Ah. Ok, et maintenant? On peut peut-être descendre par là. J'ai appuyé sur astuce pour rien. Bon, après, de toute façon, j'avais pas trop le choix. Hein. On va voir ce qu'il y a de ce côté. C'est des comics. Attends, c'était quoi cet endroit? Un rassemblement de gens qui aimaient ce genre de trucs. Des gens comme toi, quoi. On n'est pas nés à la bonne époque. Bon, là, pour le coup, les amis, j'avance plutôt vite. Hmm.
Ça avance plutôt vite. Donc ça peut être aussi intéressant. Ça change un petit peu ma manière de jouer pour récupérer le maximum d'objets. J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai 100% de cocktail Molotov, 100% de bombe, voilà. En fait, j'ai l'impression d'avoir tout ce qu'il m'en faut, donc je pense que j'ai besoin de... Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure au sujet de Dina? Tu m'as dit qu'elle me le dirait quand... Quand tout sera réglé ici. Il y a un moment où ça va être difficile de le cacher. Elle t'a dit si elle comptait le garder? Non. Pas d'autre issue.